Toudoudoum, toum, toum. Une autre bouchée d'Old Dutch. Toum, toum, toum. Another one bite d'Old Dutch. Pam, pam. Quand tes épis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce, avec ton animateur à la chemise cette semaine, quand même assez flashy, funky, Marc-André au micro. Et cette semaine, on n'a pas le temps de niaiser. Pourquoi? Deux produits que j'ai à essayer cette semaine. Mais avant d'essayer ces deux produits-là, je veux te remercier, public, de toujours commenter, de toujours aimer et même partager, dans le fond, les vidéos de Ça dépanne-tu et aussi commenter. C'est vraiment intéressant de recevoir chaque jour des commentaires de ta part ainsi que des suggestions de produits. Malheureusement, cette semaine, ce n'est pas une suggestion de produits. C'est des produits que j'ai décidé de choisir parce que sont en spécial. Le gars, il est prof, il a dit « sontait ». Non, sérieusement, c'est parce qu'elles étaient en spécial à mon dépanneur traitant, 2 pour $6. Et aussi, ça m'intriguait parce que j'ai jamais essayé cette saveur de chip-là. Et probablement, toi aussi, public, que t'as jamais essayé, tu l'as toujours regardé du coin de l'œil et t'as jamais fait le saut pour essayer ces chips-là. Mais ne crains pas, je l'essaie pour toi cette semaine. Et les produits de cette semaine sont les potato chips Old Dutch. On a 2 saveurs de Old Dutch. Dans le fond, on a les Old Dutch Arriba, chili et lime. Et on a les Ridgies, sel et vinaigre épicé. Pourquoi j'ai choisi ces 2 sortes-là? Celle-là, parce que c'était une sorte exclusive, donc une édition limitée, pardon. Et celle-là, pourquoi je l'ai choisie? Parce que sel et vinaigre épicé, ça me gosse un peu, sincèrement. La mode de tout ce qui est épicé, donc on prend une saveur, on rajoute quelque chose qui est épicé, saveur de pomme verte épicé, saveur de sel et vinaigre épicé. Et j'étais curieux de savoir c'était quoi ou c'était encore un autre gimmick pour nous vendre des saveurs par rapport de patates chips. Donc, Old Dutch, première chose que j'ai apprise, parce que là, moi, j'avais cette conception-là que Old Dutch, dans le fond, la marque de nettoyage Old Dutch et la marque de potato chip Old Dutch, c'était la même affaire. Alors que nenni, ce n'est pas du tout la même affaire. Dans le fond, Old Dutch, comme on les connaît ici, les chips Old Dutch, c'est un produit qui vient du Minnesota, qui a été créé en 1934. Donc, ils font seulement, eux, des patates chips. Ils font rien d'autre. Et c'est même eux qui sont les propriétaires des chips Humpty Dumpty au Québec. Alors que les produits nettoyants Old Dutch, eux, n'ont aucun lien avec les chips. Et dans le fond, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Lavo et qui, dans le fond, ont plusieurs produits de nettoyage, dont, dans le fond, Old Dutch. Je pense qu'aussi, ils ont la parisienne, mais je ne m'aventurerai pas trop là-dedans parce que c'est pas mon champ d'expertise, les produits de nettoyage. Ce qui est mon expertise, c'est la bouffe sur le pouce. Et on commence sans plus attendre en regardant les packaging. Sincèrement, c'est assez de base. J'aime qu'on ait osé le vert, un peu vert guacamole. Je trouve ça vraiment nice. Arriba, je trouve ça très drôle. Mais je suis vraiment très intrigué. Seule chose, par exemple, on peut-tu mettre un moratoire sur la saveur chili et lime? Sincèrement, le chili, on a fait le tour. Comme je l'ai déjà dit, dans le fond, c'est le pulled pork des années 2020. Le chili, à un moment donné, ce serait le temps de passer à d'autres choses. Et les Ridgies, j'ai l'impression que c'est, dans le fond, la sous-catégorie de Old Dutch, qui est comme des versions ondulées. Je pense que ça a comme un peu joué dans les tales de Ruffles pour qu'on se rappelle Ruffles Ridgies. Ridgies. Probablement que ça a un lien avec ça. Je le sais pas. J'ai fait ce lien-là. Public, fais tes propres liens. Je te jugerai pas. OK? Bon. Maintenant que tout ça est dit, c'est maintenant le temps de passer à la dégustation des 2 produits. Et là, je vais commencer par les Ridgies. Sincèrement, saveur de sel et vinaigre épicé. Pour moi, je fais un bet. J'y ai jamais goûté à cette saveur-là. Première fois que je l'essaie, j'ai l'impression que ça va être une façon déguisée de dire que c'est des chips all dressed.
Probablement qu'ils n'ont pas été capables de craquer le code des chip Aldress. Puis ils se sont dit « ça goûte les Aldress, ça goûte pas tant que ça. Ça va peut-être, on va mettre ça, c'est les vinaigres épicés, ça va être ça, puis c'est tout. » Fait que j'ai vraiment ce feeling-là. Alors, comme j'ai dit, je répète, je les ai payés en promo 2 pour 6$. Ça arrive souvent qu'ils sont en promo, ça arrive des fois qu'ils sont pas en promo. Un conseil, attends qu'ils soient en promo avant de les essayer. Et là, sans plus attendre, on ouvre le paquet de pétates chips. Sincèrement, en ce moment, je pense que mon hypothèse est quand même assez plausible parce que, à la première whiff, ça sent les chips all dressed. Ça sent même pas le sel et vinaigre, ça sent juste le hard dress, mais pas le hard dress, le fun des Ruffles, là. No way, Rosé. Ça sent le hard dress de quelqu'un qui a essayé, mais qu'on lui a donné juste une petite médaille de participation pour avoir fait un effort. Alors, on essaye ça. Oh, OK. OK, c'est vraiment étrange. Au premier goût, on goûte vraiment, vraiment le sel et vinaigre. Après ça, ça disparaît tout de suite. T'as comme, dans le fond, un deuxième goût. T'as comme l'épicé qui embarque. Et ça finit sur une note un peu barbecue. Je serais pas prêt à dire que ça goûte vraiment, dans le fond, les chips all dress. Mais comme je l'ai dit, ça se confirme. On dirait vraiment quelqu'un qui a essayé très fort de trouver la recette des hard dress, mais qui n'a pas réussi, fait qu'il a décidé de donner ce nom-là. Ou plutôt, il a demandé à un panel de personnes, genre, à quoi ça te fait penser? Il y a quelqu'un qui a dit sel et vinaigre. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit épicé. Ils ont mis ça ensemble, sel et vinaigre épicé. C'est, je te dirais, c'est un petit peu mollo comme goût. C'est très mollo, c'est très tranquille. Sincèrement, public, je pense que ce genre de chip-là, c'est le genre de chip que t'achètes, que, dans le fond, t'as de la visite, mais tu veux pas tant qu'il reste trop tard. Fait que tu leur mets ces patates chips-là sur la table, t'attends qu'ils en mangent. Puis à un moment donné, ils vont se tanner, puis ils vont partir une demi-heure plus tôt. Je pense que ces chips-là seraient incroyables pour ça. Voilà, c'est dit pour les Ridgies. Sel et vinaigre épicé. Et maintenant, les Old Dutch Arriba chili et lime. Tout, 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 tout. Une autre bouchée d'Old Dutch. Tout, tout, tout. Another one bite d'Old Dutch. Pam, 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 pam. OK. Première whiff, ça sent... Comment je pourrais dire ça? Ça sent la chip de maïs, pas de saveur. On se le cachera pas, public. C'est encore décevant, deuxième whiff. Mais là, public, regarde ça ici, hein? On dirait une Doritos. Mais je le sais très pertinemment que ce n'est pas une Doritos. Ça ressemble à une Doritos. Mais là, quand quelque chose ressemble à une Doritos, mes attentes sont fucking élevées. Parce que Doritos, c'est dans mon top des meilleurs pita chips de l'univers, OK? Et là, j'ai l'impression, puis je retarde le moment parce que j'ai peur d'être déçu. Et je suis sûr que je vais être déçu. Mais j'ai une petite once d'espoir que peut-être ça va être bon. Et c'est ce qu'on va découvrir à l'instant. OK. Première bouchée, ça goûte juste la lime. Et un bon goût de lime, sincèrement. Mais je cherche, public, le goût de chili. Il n'est pas présent à la première goûtée de pita chip. Essayons une deuxième fois. Non, c'est un mensonge. Le goût de chili, il n'est pas là. Il n'y a rien, il n'y a pas de goût de chili. Mais public, tu me connais, tu le sais que moi, quand il y a un petit peu d'épicé, je réagis fortement. Alors, si je ne réagis pas à ça,
Ouais, ça ici, comme ça. T'es pas du bon bord. Non, mais si je réagis pas à ça, ça veut dire qu'il y a même pas une petite once d'épicé là-dedans. Sincèrement, il aurait dû appeler juste ça lime. On aurait été bien heureux. Et sincèrement, je dois dire que je suis un petit peu surpris. J'ai pas détesté le goût de lime des Old Dutch Arriba. Sincèrement, c'est quand même assez très bon, OK? Probablement que je ne mangerai pas ça à tous les jours, mais une fois de temps en temps, je dirais pas non. Et les tests étant terminés, c'est maintenant le temps public d'évaluer nos produits sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, si je pars de Québec, je m'en vais à Montréal en passant par l'autoroute 40. À quel point ces chips-là me dépanneraient si j'avais juste ça à manger? Et on commence sans plus attendre avec les Ridgies. Les Ridgies, sincèrement, je trouve ça un petit peu décevant comme goût. Je te l'ai déjà dit, on dirait une tentative ratée de quelqu'un qui a voulu essayer de faire, dans le fond, des Ruffles All Dressed. Il n'a pas été capable, il a demandé à ses amis de casser sa goutte. Il y a quelqu'un qui a dit c'est les vinaigres, il y a quelqu'un d'autre qui a dit épicé. Fait que pour moi, ça score pas plus loin que Sainte-Anne-de-la-Pérade, ces chips-là. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, je sors, je vais m'acheter quelque chose d'autre au magasin général de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais sincèrement, c'est un petit peu décevant. Pour vrai, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, j'irai acheter tout de suite un Ruffles parce que ça, c'est décevant. Par contre, les Arriba, Chili et Lime, eux, on est dans une autre game. Sincèrement, je dépasserais Québec, c'est sûr. Je dépasserais Donnacona, Sainte-Anne-de-la-Pérade aussi. Trois-Rivières, OK, j'arrêterais là. Si ça avait juste été Lime, la saveur, j'aurais été plus loin. Je me serais probablement rendu à Louisville ou peut-être même à Berthierville. Mais à cause que le goût de chili n'est pas là, c'est un mensonge, on va se le dire. Puis ça goûte juste la lime. Je vais m'arrêter à Trois-Rivières pour ces chips-là. Donc, Arriba, Trois-Rivières et Ridgies, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et c'est sur ces bons mots publics que, dans le fond, cette vidéo de Ça dépanne-tu se termine. Si t'aimes ce que je fais, oublie pas, mets un pouce en l'air, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi aussi à mes médias sociaux, Ça dépanne-tu Instagram, Ça dépanne-tu Facebook, je suis là. Oublie pas de commenter la vidéo. Oublie pas de commenter aussi sur mes médias sociaux. Si tu as des suggestions, envoie-moi-la en privé. Je lis tous mes messages. Et sur ce public, il me reste juste une seule chose à te dire. C'est ciao, bye, fly!